j'ai commencé une année au casque, en fait, à Gand, au tout début, où j'ai vraiment eu mes premières expériences avec l'animation. Après, c'est de l'animation un peu plus expérimentale. Donc, c'était chouette parce que tu mettais vraiment les mains dans tout et n'importe quoi. Tu avais vraiment cette liberté de tester tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pu vraiment me découvrir un chemin, quoi. Ensuite, j'ai été à Namur, à l'école Albert Jacquard, où là c'était beaucoup plus encadré, ce qui m'a permis vraiment de faire mes armes, me construire une petite mallette à outils que j'ai ensuite transportée avec moi à la Cambre, où j'ai fait mon master en 2 ans, quoi. Muscle masqué d'enfer et pagaille, donc c'est un nom un peu longuet, mais qui fait référence, tout comme le film, aux comics des années 40-50. Qui ont une patte assez naïve que j'aimais beaucoup. Voilà, je voulais faire un film un peu rigolo, avec de l'action, et voilà. Je me suis dit, bah, les super-héros des années 40, c'est un peu ça, quoi. Un peu ça qui me tentait à l'époque. Je regardais beaucoup de vieux films de Godzilla, d'araignées géantes qui envahissent la ville. Donc, bref, je voulais faire un truc un peu kitsch, quoi. Et puis, au fur et à mesure du développement de cette idée-là, je suis tombé sur un documentaire qui parlait des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et voilà, c'était une maladie que je connaissais, bah, comme un peu tout le monde, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait revêtir vraiment des formes vraiment très graves, quoi, qui pouvaient vraiment ruiner une vie. Et je trouvais que les deux mondes juxtaposés étaient assez parlants, quoi. Comment on peut être un super-héros tout en ayant un handicap qui est super handicapant quand on est un super-héros, quoi. Ça, c'était la base, c'est la base du projet. Et voilà, moi j'ai cette envie aussi dans mes films de évidemment de traiter des sujets un peu graves, parce que c'est je pense c'est un peu ça le but aussi de faire du cinéma, c'est de toucher à des sujets important, quoi, des problèmes qu'on a envie d'aborder ou même résoudre, si on va jusqu'au bout de la logique. C'est un petit super-héros qui est atteint de troubles obsessionnels compulsifs, j'y arriverai. Il est accro au rangement, et donc il va devoir dépasser, va-t-il seulement réussir, son handicap pour battre un robot géant qui salit la ville. Je pense que la structure en général du film est très classique cartoon à la Pixar, quoi. C'est vraiment, je pense que ça a été un gros moteur pour moi, mais je crois aussi principalement que cette manière d'amener un sujet pas très rigolo, mais de le détourner de manière humoristique pour qu'on puisse quand même l'intégrer, enfin, à mon sens, plus facilement, ça me vient beaucoup du cinéma de Nakache et Toledano. Qui, je trouve, font ça souvent à merveille. Oui, non, moi je voulais principalement faire un film qui soit agréable, en fait, à regarder, qui soit divertissant, fun. Et puis, si, voilà, si ça peut apporter une réflexion sur le côté, tant mieux. Mais oui, non, c'est principalement, l'envie était de faire rire les gens, quoi. Il y a vraiment, je pense, facilement 50% de l'animation qui est comblée par le son. Et ça, c'est Timothée Maillot qui a travaillé dessus, qui est un ami à moi à Montpellier, qui a fait un travail incroyable et qui est venu vraiment donner cette patte sonore qui rajoute, en fait, qui comble, si tu veux, l'animation dans ses trous. Et donc, à chaque impact, passage à grande vitesse d'un train, etc. Tu sens vraiment l'impact du dessin grâce au son, en fait. Et c'est vraiment. Je me souviens avoir reçu sa bande sonore après avoir tout animé, m'être rendu compte qu'en fait la moitié des plans que je pensais ne pas fonctionner étaient complètement. Faisaient partie du film, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi une grande question de montage aussi. J'avais tendance avant ce film-là de sous-évaluer à quel point le montage pouvait vraiment dynamiser une animation, quoi. On peut vraiment sauver des plans qui nous semblent
mou, lent, avec un petit mouvement de caméra ou une petite coupe à droite à gauche. Et c'est toujours un peu du bricolage en fait. On monte les plans ensemble, on voit ce qui colle pas, on l'enlève ou on le bidouille. Et puis si on n'a plus le temps, on rajoute du son. Voilà, c'est un peu. C'est chaotique. C'est chaotique. Non, tu t'attends jamais à recevoir ces prix-là, surtout le prix du public dont je suis extrêmement fier, quoi. C'est vraiment super beau de terminer ces études sur cette note-là. Je pense que c'est surtout à Anima, qui est un festival que j'affectionne beaucoup. Et en plus de ça, bah oui, les prix des partenaires BTV et Synergie que je remercie chaleureusement. Oui, non, y a rien de mieux, évidemment, après une année de travail comme ça, de terminer sur cette belle note. Mais non, c'est sûr que c'est pas. Je pense que c'est jamais réellement calculé parce que c'est impossible à prévoir ce qui fait que ton film va réussir ou pas, ou en tout cas va être. Déjà va être compréhensible par le public. C'est déjà très dur en fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre quand on s'exprime soit avec soi-même avec ses propres mots. Mais donc là, je suis vraiment très très heureux que ça ait pu avoir cette résonance avec le public.